Catherine de Lepère, vous êtes l'auteur de Vivre et travailler avec les Russes, petites idées pour approcher un grand peuple. Donc, vous cherchez les ressorts de la culture russe et ses manifestations dans les interactions entre Français et Russes. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Déjà, le russe, je suis tombée dedans quand j'étais petite parce que mon père était russe, ma mère française. Donc j'ai grandi à Paris dans une famille où on parlait aussi bien le russe que le français à la maison. On mangeait aussi de la nourriture russe et française. J'avais des cousines qui allaient à l'église catholique et moi j'ai été élevée dans la religion orthodoxe qu'ensuite j'ai quittée. Donc j'ai vu très tôt, mon père étant russe et nous ayant transmis sa langue, qu'on pouvait aimer, travailler, vivre les choses dans deux langues et dans deux cultures différentes. Quels sont les aspects spécifiques que vous abordez? Alors j'aborde d'une part de façon très générale la communication et l'importance de la langue et de la culture dans la construction des êtres humains et la communication entre personnes de cultures et de langues étrangères. Et puis j'axe aussi bien sûr sur qu'est-ce qui se passe quand on communique avec des Russes, qu'est-ce qui se passe quand on rencontre des Russes, comment la langue russe structure la façon de considérer le monde, le travail. D'autant que je suis allée à Moscou interviewer des dirigeants et des cadres français travaillant donc dans des entreprises, des rapprochements d'entreprises, des entreprises même pas forcément françaises, mais qu'on appelle multinationales, même si quand elles sont d'origine française, disons, la culture française garde quand même une primauté. Et puis, quelquefois, une entreprise qui était aussi d'une autre nationalité, hein, un cabinet d'avocats d'affaires ou des entreprises qui s'occupent de recrutement, etc. Et je les ai interviewés donc, sur qu'est-ce qui se passe dans le travail avec les Russes, qu'est-ce qui se passe dans la vie, le travail à Moscou. Et j'ai fait une synthèse, donc la dernière partie, le dernier chapitre, est une synthèse de ce qu'ils m'ont expliqué, donc de ce qu'ils vivaient, étant tout à fait libre d'ailleurs d'appréhender le thème comme ils le voulaient. Je n'avais pas a priori de sujets qui m'intéressaient plus qu'un autre. Et par exemple, quelles sont les différences, les difficultés auxquelles sont confrontés des Français qui travaillent avec les Russes? Mais ils sont confrontés à une façon différente, comme quand on est en contact avec des personnes de culture et de langue différentes, à une façon différente d'appréhender l'espace, d'appréhender le temps. Donc par exemple, quand on prend un rendez-vous, c'est pas la peine de le prendre très très longtemps à l'avance, parce qu'il vaut mieux confirmer donc quelques jours avant que le rendez-vous tient toujours. Au fait que la relation va être beaucoup plus en proximité, qu'il va falloir beaucoup plus s'impliquer dans la relation, au fait que dans le management, il va falloir beaucoup plus commander peut-être que attendre que l'employé ou l'ouvrier, même si après bien sûr en fonction du niveau d'éducation et de la fonction de la personne, il va y avoir des différences, mais qu'il va falloir plutôt commander peut-être et contrôler dans l'atelier ou sur la chaîne de montage, sans attendre que la personne soit plus autonome ou prenne plus d'initiatives comme on a tendance à le faire en France. Aussi dans la façon dont les décisions vont être prises, vont être organisées les réunions par exemple. Il y a une façon d'être ou une façon de manager de façon beaucoup plus charismatique. On attend du chef qui commande, qui vous aime, et on attend d'être aimé du chef peut-être un petit peu plus en Russie qu'en France. Même si après, bien sûr, la façon dont on va considérer les Russes avec tous les stéréotypes d'un Français par rapport aux Russes joue dans la relation, évidemment.